C'est qui? Chérie. Nadia, c'est comment? Bon, on était en ville, on faisait les courses et puis... Moi, j'ai décidé que je voulais te voir. Ça fait quand même longtemps. Ah. Asseyez-vous. Sinon, c'est comment alors? Ça va, Nadia? Oui, mais je vais bien, merci. Ok. Bébé, tu es chaud comme ça, tu partais où? Tu sortais ou bien c'est seulement pour rester à la maison? Oui, il est bien vrai que je sortais, mais... Vu que vous êtes là, je vais annuler mon programme et consacrer ma journée à vous. Bon, dis-moi, je vous invite au restaurant de ton choix. Où veux-tu partir? Je préfère te faire plaisir. Hôtel Le Pilote. Ouais, je savais que tu allais dire ça. Ils ont un très bon dolé là-bas. Hôtel Le Pilote. Ça marche? Ok, mais il y avait quelque chose. Il est bien vrai que j'avais prévu de te faire une surprise, mais là... Lève-toi. Mets ta main là. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? C'est simplement ton cœur qui bat. Juste ça? Sache que madame, ce cœur-là, il bat pour toi. Accepte ma demande. C'est quoi ton problème? Yvie, c'est quoi? C'est quoi ton problème? Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter. Attends. Je pense que c'est une blague. Tu blagues, n'est-ce pas? Hé, hey, c'est moi. C'est ton amour. Tu sais très bien que je t'aime, Christian, mais je ne peux pas t'épouser. Je ne peux pas, tu ne peux pas quoi? Attends. Donc ça veut dire que tout l'amour que tu dis ressenti pour moi, c'est que du blabla? De quel amour tu parles? Je suis désolée. Mes cartes de crédit sont bloquées. Parce que cet agent te monte à la tête. Et c'est ce qui te permet de me manquer de respect. Désormais, tu vas toi-même chercher ton propre agent et tu verras ce que ça fait. Oui, allô. Je ne suis pas content de toi, Issa, tu le sais. Depuis j'attends mon transfert, rien. Et tu sais, quand on parle d'argent, je ne blague pas. D'accord. J'aime mieux quand tu parles ainsi. Alors j'ai les yeux rivés sur mon portable.
ça va. Tu tiens le coup. Merci. Merci. C'est quoi cette tradition barbare là? J'avais jamais entendu parler de ça. Oh, c'est pas possible. Christian, il faut te calmer. Attends. Est-ce que tu me regardes? Je suis un futur millionnaire. Je suis un futur chef d'entreprise. Avec tout le charisme ici, elle ose refuser ma demande en mariage. Écoute, Christian. Tu sais très bien que Ivy t'aime. Et tu ne dois pas douter de son amour. Comprends juste que dans chaque village, il y a des traditions qu'il faut respecter. Et sache que à l'instant où je suis en train de te parler, c'est qu'elles sont déjà dans la ville. J'ai convaincu Ivy, elle est partie chercher sa grande sœur. Gardez la monnaie. Donne-moi des potes. Ouais, tu arrives pas comme ça. C'est bon. Hey, c'est pas comme ça. Ce sont les escaliers, j'habite au deuxième. Les escaliers. Lili, pardon. Tu as vu la femme qui vendait sur le parasol qui était montée quand tu es dans le taxi là, non? Oui, okay. Oui, j'ai vu ça. On monte, tu te changes et tu vas acheter quelque chose là-bas s'il te plaît. Monte, parce que quand tu vas acheter derrière, tu es là, tu regardes les endroits. Alors, je suis pressée, Lili. Oh. Hey. La mère, tu dis que tu as pris dans les égalités. La maison si est belle, hein? Ça dépasse. Aïe, ça dépasse. Mais je dis, hein, madame, vous pouvez regarder où vous marchez. C'est quoi ça? Vous marchez, vous n'avez pas où marcher. Toi-même, tu faisais quoi? Non, mais c'est quel idiote ça? Hé, hey, tu as fait qui idiote? Quand vous marchez, regardez où vous marchez. Mais n'importe quoi, on est où là? Toi, tu marchais comment? Toi, tu marchais comment? Hein? Regarde-moi un bancaire comme ça, un faux blanc même. Il fait juste à ce qu'il il me parle. Non, ah. Mais c'est qui ça? Hé hey! Madame. Tu fais ça à qui? Ne m'énerve pas. Toi-même, ne m'énerve pas. Toi-même, hé hey! Je dis, c'est s'ils sont même doux. Je sois doux, doux. Et bon, son vêtement. Tu connais combien on a acheté ça? Va là-bas, vite. On va acheter ça le jour de fête. Les deux femmes. Hé, hey, va là-bas. Toi-même, avec ton bancalique au pied, avec ton bancalique au... Faux blanc comme ça là. Faux blanc. Moi, tu fais les choses comme ça. Tu fais les gens comme ça. Je vais te taper ici là. Viens, non. Viens, je te tape comme ça là. Tu t'en fous. Une folle. Qui? Qui est folle? Qui est folle? Je ne me suis pas. Tu m'insultes. Fou. C'est qui ça?
Je dis, on t'a envoyé. On t'a envoyé chez moi. C'est pas toi qui m'as insulté. C'est pas toi qui m'as insulté. Madame, prenez votre route. Prenez votre route. Toi, me prends ta route. Mon chéri, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me remettes mes cartes de crédit? Commence par enlever tes fossiles et tes faux ongles. Je veux retrouver ma femme. Je profite pour t'informer que je ne vais pas manger ce soir parce que désormais, je voudrais manger une nourriture faite de tes mains. Pas une nourriture faite par la bonne. Je demandais, depuis que tu manges le repas de la bonne, tu as déjà eu quel problème? Et pour ta gouverne, concernant mes cils, mes ongles, ma classe, mon standing, comme tu le dis, hein? Pour toi, je ne pourrais pas le changer. Tu m'as connue dans cette classe. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux que je change? Et c'est ce même style de femme que tu iras dans la rue regarder, n'est-ce pas? Écoute-moi bien, pour rien au monde, je dis bien pour rien au monde, je ne changerai pour toi. Écoute-moi très bien. Nous ne sommes pas dans un débat télévisé là, toi et moi. Tu veux récupérer tes cartes de crédit? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu m'as fait venir ici à Douala. Il y a trop les buis ici. Trop. Oui, je sais. Tu comprends? Tum, 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 partout. Tum. Hey, ma mamie. Toi-même, tu as changé. Comment ça? Tu ne vois pas ton teint. Tu as commencé à mettre les trucs. Tu deviens déjà brune. Tu es rouge et tu mets encore déjà les longs trucs comme ça sur tes doigts. C'est justement pour ça que je voulais qu'on cause. Je veux refaire ton relooking, donc. De un, on va d'abord commencer par changer tout ce que tu as comme vêtements. Hey. Shopping, aller acheter tes vêtements. Je ne veux pas que tu épouses un vieux planteur au village comme notre cousine Amel, non. Hein? Tu connais notre soeur Suzanne qui est au village là, non? Mmh. Hey, elle s'est mariée avec le voisin au village. On passe souvent là-bas, on mange nous les arachides avec le maïs. Je vais refaire ton relooking et tu vas trouver un mari ici. Ce sera très rapide, t'inquiète pas. Hey, Yvie, voilà, je vois. Moi. Tu vas me chercher un jour. Au lieu que c'est moi qui te cherche le mari, c'est toi qui vas me chercher le mari. Ma. Pardon, on laisse au temps. Ah, mon téléphone. Je dois décrocher. Je laisse le téléphone. Je suis là. Tu as fait comment? Mon téléphone sonne, tu n'entends pas. Tu prends la perte. C'est qui? Hein? Donc tu m'as poursuivi jusqu'à venir chez ma petite sœur pour m'insulter encore. Un salaud comme toi. Un chien. Tu m'insultes. Attends. Attends, moi, viens ici. Attends. Attends. Hé! Hey, c'est quoi? Je vais lui cogner avec ça. Mais qu'est-ce qu'il ne veut pas, chérie? Tu m'as envoyé à la boutique. Maintenant, il me voit, il me voit là-bas dehors, il m'insulte. Il m'insulte jusqu'à venir ici, là, il vient m'insulter. C'est qu'il veut lui faire quelque chose là maintenant. Yvie, qu'est-ce que cette femme de campagne fait ici? C'est ma grande soeur. Hein? Tu as vu que j'ai attaché le bal? Hein? Je suis avec la robe, mais je vais te toucher ici, là, ma tante. Oui, il te fait un vrai mal. Oui, qu'est-ce que... Non, je vais t'expliquer. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la boutique, mais je ne comprends rien. Non, mais attends, je t'explique. Je suis en train de marcher. Subitement, elle se retourne, elle me bouscule. C'est quoi? Je t'ai bousculé, c'est moi. Toi-même, tu ne pouvais pas bien regarder. Hein? Avec ton coucou pied là, tu ne pouvais pas bien regarder aussi. Bon, allez, bon. Ça va, chérie, ça va. C'est bon, ça va. On va arranger. Chérie, prends place, s'il te plaît. Billy, pardon. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé à la boutique, mais
Je ne peux pas accepter que ce genre de climat règne entre vous. Cette fois, le hasard n'a pas bien fait les choses. Il m'insulte. Il m'insulte jusqu'à dire que je suis villageoise. Et toi, monsieur, quoi? Donc, tu as encore répété ça? On a blé pour amener bon. On a rien. Puis, attends. Tu m'as dit que c'est d'abord qui m'aime parce que on a joué un gros job. Oh, il a engraissé dedans que c'est qui? C'est mon fiancé. Fiancé? Fiancé sur ça. Fiancé comme un fiancé. C'est quel fiancé comme ça? Ayachi. C'est quelle qualité de fiancé? Et n'allez. Lily, s'il te plaît. Donc, par amour pour moi, tu ne peux pas laisser tomber. Quel mot? Quel mot? Tu étais là quand il m'insultait. Donc, tu m'as fait venir à Douala ici, là, pour que les gens m'insultent. Pour que tes gens m'insultent. Hey! Tu as vu la manière comme il m'a insulté là-bas en route? Oh, yo. Oh, yo. Tu as vu? Attends. C'est le village seulement. C'est le village qui va comprendre tout ça. S'il te plaît, chérie, excuse-toi. S'il te plaît. Donc, tu as insisté que moi, je viens à Douala. Tu insistes, je dis que je ne viens pas. Maintenant, je viens. C'est que tes amis ou c'est tes fiancés m'insultent. Mafmide. Je demande. Elle est là pour combien de temps? Mon ami, tu vois que je suis. Reste tranquille. Je suis ici dans la maison, ici là. La maison de ma soeur, c'est ma maison. Donc, je suis ici là pour toujours. Et tu vas maintenant demander les audiences avant d'entrer ici. Attends. Tu vas demander l'audience. Tu connais comment dire demander les audiences. Attends. C'est bon. Lily, s'il te plaît, tu exagères un peu. Pourquoi tu veux me compliquer comme ça? Tu as dit qu'elle s'appelle comment? Lily. 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 Je tiens à te présenter mes excuses. Merci. Tu attendais quoi depuis? Tu attendais quoi depuis pour demander les excuses là? Ouais, Lily. Pourquoi tu veux... Quand je parle à ton fiancé là, tu restes un peu tranquille. Ok, ok, ça va. Il a demandé les excuses, c'est le plus important. Bon, maintenant, je veux que vous vous embrassiez. Hey. Pour moi. Serrez-vous au moins la main. Au moins la main. Nous sommes désormais une famille. Lily veut me marier avec Christian. Et tu es ma soeur. S'il te plaît, Lily. Merci chérie, tu es le meilleur. Merci. Je t'apporte quelque chose à boire. Je n'ai pas besoin. Je suis venue ici prendre mon argent. Depuis que je t'appelle, tu ne prends pas mes appels. Tu penses que je fais comment pour acheter la marchandise? C'est le réseau. Ça ne me regarde pas. Mako, je t'ai expliqué ce que je traverse avec mon mari. Comment tu peux me faire ça? Tu connais bien mon histoire. Ça ne me regarde pas. Je veux juste l'argent de la perruque que tu m'as prise. Ne me touche pas. Je t'ai demandé de me donner l'argent. Bon, regarde, donne-moi 3 jours. 3 jours seulement, dans 3 jours, je serai à la boutique, je te donne ton argent. Et si je ne viens pas dans 3 jours, tu fais de moi ce que tu veux. Tu as dit 3 jours. 3 jours. Si dans 3 jours,
Tu ne m'as pas appelé. J'arrive ici. Je casse tout. Et ce n'est pas une blague. Je t'ai dit, 3 jours. La perruque est jolie. Hein. Je viendrai prendre ça à la boutique. J'en vais. Tu es toujours très performant. Ah, tu sais, c'est naturel. Hein? Pas besoin d'utiliser le couteau comme d'autres personnes. Mmh, c'est ça. Tu es un peu vanté, toi. C'est vrai, non? Vu que j'en pense, je pense que j'avais prévu de me. L'argent, il y a de là 2 semaines. Et jusqu'à présent, j'ai encore rien reçu. Ah. Bon, tu sais, j'ai des petits problèmes financiers ces derniers temps. Mais ne t'inquiète pas, je te promets, quand je pars d'ici, je te ferai un dépôt, s'il te plaît. D'accord? C'est la même chose que tu m'as dit la fois dernière. Et jusqu'à présent, rien. Je suis désolée pour la fois dernière, mais t'inquiète pas. Quand je pars ici, je te fais directement un dépôt. S'il te plaît. C'est vrai. Je peux compter sur toi cette fois-ci. Bien sûr, tu dois me faire confiance. Ah, c'est pour ça que je t'aime. Ivy, tu fais comment avec Christian? L'homme, tu vois pas que les choses ne donnent pas. L'homme va venir la trouver ici dans la maison pour l'épouser. J'ai déjà tout fait. Lily refuse de sortir. Mets-toi à ma place. Hein? Je supplie Lily qu'on aille au restaurant. Elle refuse. Je l'ai même flattée qu'on est au travail l'autre jour. Elle a dit non. Elle ne sort pas. Elle a peur des bruits, les voitures. Alors que j'ai mon collègue au lieu de service, il aime les femmes qui ont les grosses fesses. Il dit que tu vois, elle a un pot derrière, bien gros. Hein. Mais elle cache dans ses gros vêtements qu'elle porte là. Tu ne peux pas savoir comment ça m'énerve. Tu dis, quand tu regardes Christian, il est brun. Il est arqué. Avec tous les diplômes que le gars là a. Si une autre fille tombe sur lui, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas seulement avoir tes yeux pour pleurer, non? Moi, mon épaule ne console pas le genre de personne là. Parce que je ne comprends pas que tu es assise au premier banc, tu dors. Tu dors quoi? Tu as sommeil? Ah, je vais alors faire comment? Oh. Écoute, Evie, nous sommes des hommes. Si tu essayes une méthode, ça ne donne pas. Tu changes. Agis un peu. Tu veux me dire que si ta soeur se marie en 2035, tu vas te marier en 2036? Attends, c'est la tradition de mon village. C'est comme ça que nos ancêtres ont fonctionné et on doit suivre le pas. Sauf si je reste en concubinage. Mais c'est pour le mariage, c'est impossible. Christian va t'attendre. Elle est où? Elle est à la cuisine, elle prépare. Le feu là, c'était. Tu peux profiter. Comme elle est là, va, trouve un truc à dire là-bas. Tu dis qu'on part peut-être acheter, je ne sais pas. On part ensemble, on achète ses habits et ses trucs. C'est tout. Ok, donc. Ivy, oh. Oui. Ah, toi, tu vas venir allumer ton feu ici, là. Depuis, le feu, tu ne fous pas. Tu dis? Depuis, elle ne fait que
qu'allumer, je ne fais qu'allumer ça. Je fais sur ça, ça ne fout pas. C'est sûr que le gaz est fini. Ouais, ma soeur. Pardon, va aider ta soeur. Donc, elle me sert de ma soeur. Pas de mouf. C'est trop vilaine. Toi-même, tu vas venir allumer ça maintenant. Ma, j'arrive. Persona non grata. Ok. C'est ce qu'on verra. Je me suis mariée sans amour parce que je voulais une stabilité financière. Mais maintenant, cet idiot me conditionne. Sans argent, je ne peux pas vivre mon amour avec Christian. Maintenant, je n'ai ni argent, ni Christian. Je dois le tuer. Alors dis-moi, Malioy, tu es là pour quoi? C'est pour un petit livre, c'est pour du business. Parce que je te connais bien. Tu m'arrêtes ça. Tu sais bien pourquoi j'étais sainte, non? Ah, la petite coquille. C'est ce qui me plaît chez toi. T'es une vraie tigresse. Je suis là pour le marché. Ça, je savais. Je t'ai quitté parce que tu n'avais pas d'argent. Et maintenant que j'ai de l'argent, il est question que tu abattes mon mari. Que nous puissions être ensemble. C'est tout ce qui m'a plu chez toi. Ah ouais, t'es une vraie tigresse. Tu sais que pour toi, je peux tout faire. Tac, 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 tes doigts. Considère que tu es déjà vu. Super. Ouais. Ok, marché conclu. Après le boulot. Ah ouais, c'est ça. C'est comment, Lily? Tu sais que je mange mes arachides, ça me donne des boutons. Pardon, moi-même, je veux les arachides. Maman, viens. C'est combien? C'est combien les arachides, là?
Tu veux la boîte ou tu veux tout le plateau, la mère? Je veux tout le plateau, avec le plateau même. 5 000, la mère. Depuis quand on vend les archives avec le plateau? La mère, j'emballe. Et puis, pardon, elle m'en fait 5 000 là-bas. Je n'ai même pas 5 francs. Tu penses que j'ai acheté tout ça avec les cailloux? Pardon, peut-être tu veux 5 000. Il n'y a pas de problème. Voilà. Hein? La mère, il n'y a pas la monnaie. Hein? Donne-moi d'abord. Donne-moi aussi ton foulard. 5 000 la mère. Mais je t'ai donné 10 000, non? C'est dit que 5 000 aussi le foulard. Donne-moi. Je demande, tu penses qu'on ramasse seulement l'argent là? Merci. Voilà. Fille, viens, viens, hé. C'est papa. Quoi, la mère? Viens, on fait l'échange. L'échange de quoi? Je te donne ma patte. Tu sais à combien laisser la babouche là? Ah non, donne-moi. Ah non, faut laisser. Ouais, mais dérange pas. Toi, tu me fais, je ne parviens même pas à marcher avec ça. Oh, tu quelque chose là, ça me tire depuis. Ça me tire. Oh. Non, 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 je suis pas d'accord. Pardon, donne-moi la babouche. Donne-moi la mère. Voilà. Oh. Donne-moi la babouche là. Bye. 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 Ne me rembourse même plus. Comme ça là, comme ça, marche comme ça, je suis à l'aise. C'est même quoi que tu as mis sur moi, regarde, ça rentre, ça vient, c'est même quoi sur mes yeux. Pardon, retire ça sur ma tête. Hein? Ouais. Si j'étais au village, je sais que pour au champ, je cultive. Je cultive et après, je récolte mes archives de manière vraiment. Hein? C'est quoi ça? Et viens, on me donne quelque chose, ça me tire, ça me. Mais elle vend les archives. Alors, vous, pareil même, moi, elle m'avait vendu. Arachide, moi, elle paye. Prends même le plastique là, tu rentres avec. Arachide. Attends, j'ai pas même ici qu'elle parle où. Je m'avais vendu. Arachide. Mais c'est quelle honte ça, moi. Arachide. Tu ris comme ça, pourquoi? Pourquoi tu te moques autant de ma grande sœur? Attends, c'était toi, tu n'allais pas à Paris. Je n'allais pas à Paris. C'est quand même ma grande sœur. Hey, sincères excuses, pardon, rentre à la maison. Non, je n'aime pas ça. Tu es mon ami, tu ne dois pas quand même agir comme ça. Oh. C'est quoi devant les arachides? C'est vrai que c'est ce qu'elle vend au village, mais. Je vais m'en sortir avec elle. Ivy, c'est quoi? Hein? Ivy, c'est quoi? Tu ne vois pas comment ma grande se comporte? Hein? Regarde comment elle vient de me couvrir de honte. Non. Aïe, cette fois, c'est exagéré. Seigneur. Écoute, moi, je compatis vraiment à ta douleur. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Moi, je vais te trouver une solution. Hein? Je vais trouver une solution à tout ça. Nadia, tu vas faire quoi que je n'ai pas encore fait? J'ai supplié Lily, ma pardon. Elle me dit que oh, si tu continues avec tes conneries là, je vais rentrer au village. D'ailleurs même, Doha là c'est trop bruyant, les talons elle ne veut pas. Petit Nyanga comme ça, elle refuse. Regarde déjà les vêtements que Lily préfère. Moi je vais faire comment? Tu connais ma pression. Christian ne me laisse pas respirer. Tu as tes manières, moi j'ai mes méthodes. Hmm? Ne stresse plus. Non, je suis déjà découragée. Comment? Moi, je te dis que ta sœur elle-même va chercher une maquilleuse professionnelle pour marcher avec elle. Après ce que je vais faire. Tu dois. Voilà, j'aime quand tu souris comme ça. Enfin, je retrouve mon amie. J'imagine un peu. Hey, ma sœur, la fatigue, ma. Hey. S'il te plaît, viens avec tes arachides. C'est combien l'arachide, madame? Ça va la boîte. Goûte mes arachides. Et on prend pour combien? Et ça pour combien?
Deux pour 300. Oui, ne prenez pas les argiles, c'est quoi? Ah. Mais madame, vous n'emballez pas. Hein. Il n'emballe plus. Vous servez l'arachide dans la pomme de main, madame. On m'a pas donné le nylon. Vous pouvez rembourser, non? Je ne rembourse pas. Vous avez mangé beaucoup mes arachides. Je ne rembourse pas. En plus de ça, vous mordez les gens. Parce que vous avez tout mangé mes arachides. Vous avez mis les mains dans mon gâteau. Qui est villageoise? La fille du pomme. Toi aussi, tu es rouge et banane. Toi aussi, villageoise. Toi aussi, rouge et banane. Toi aussi, noir père. Noir gars comme ça. Noir gars. En quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah oui, mon chéri, je suis là. Ah, ma puce. Tu es là? Oui. Ah, toujours si sexy, hein? Oh là là. Ah, bébé. Simon, dis-moi, où est ta villageoise de sœur? Ça va. Où est passée ta sœur? Je ne te permets pas de parler de ma sœur comme ça. Ça va. Pas ça va. Excuse-toi. Je te présente mes excuses. Où est passée ta sœur? Elle est allée se balader. Ah. Oh, mais ça tombe bien. Ça veut dire qu'on a tout le... Hein, chérie? Oui. Ramène-toi ici. En même temps, ne me dérange pas. N'exagère pas. C'est pas comme si... Non, tu sais. Mets ton pied ici. Vas-y, mets ton pied là. Bébé, sans que tu me dis quelque chose, dis seulement. Non, mais d'abord le pied là, c'est quoi? Vas-y! Toi, mets alors. Mets ton pied là que je caresse. Ouais, on a toute cette journée devant nous. Dis-moi, tu es à quel niveau avec son mariage? C'est compliqué. Tu sais... Elle est très réfractaire à tout ce qui est homme. Elle réagit très mal, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que je dois encore attendre? Oui, chérie. Non. Écoute, je veux que les choses se fassent très vite, très rapidement. Écoute, l'amour que je ressens pour toi ne mérite pas attendre. Bébé, s'il te plaît, ça va aller. En tout cas, non, on mais a... Après, c'est même quelle histoire avec vos traditions-là? C'est ce qu'on a trouvé que nos ancêtres faisaient. Donc, on perpétue seulement la tradition, ok? Écoute. Non. Écoute, bébé. Si on enfreint la tradition, hein, je risque de ne jamais porter un enfant. Oui, ou alors tu peux mourir. Et qui? On n'enfreint pas la tradition chez nous, hein. C'est sérieux, hein? Oui. Bafouer la tradition chez nous est grave. C'est comme si on était en train de te dire que meurs. Donc, on doit respecter la tradition. Mais on peut aménager ensemble, faire nos enfants sans problème. Ça, la tradition ne l'interdit pas. Là, tu as tout fait faux. Tu sais que mon éducation, ma moralité, mon niveau d'études, ça ne me permet pas de faire ce genre de choses. Les choses que les autres là font, là, ce n'est pas moi. Tu vois, tout ce que j'ai en tête, mon bagage intellectuel, ça ne me permet pas d'aller dans le sens inverse. Écoute, moi je suis comme ça, donc je vais comme ça. On va aller pas à pas, toquer porte, dot, mairie, église. Tu vois, c'est pas plus beau? Oui, mais on va d'abord attendre que Lily se marie. Si tu veux faire comme ça, donc patiente-toi encore. Non, mais après, la patience a des limites. Hein. Laisse-moi accélérer les choses, chérie, ça va aller. Mets le pied sur l'accélérateur. Écoute, bébé, tu sais l'amour que j'ai dans mon cœur, ça brûle. Ça brûle très fort pour toi. Viens là, tiens toi. Tu vois, donc, il faut ça. Ok, et maintenant, après, j'ai besoin d'un peu d'argent, j'ai quelques factures et j'ai des courses que je dois faire pour la maison. Oh, tu exagères un peu. Donc, c'est comme ça que tu me parles? Tu n'exagères pas un peu? Non, mais sérieux. En début de semaine, je t'ai remis 100 000 francs. La semaine n'est pas encore tombée. Tu dis encore que tu as les factures à payer comment? Attends, donc c'est parce que je n'ai pas encore décroché un boulot et que tu m'aides un peu financièrement et tu fais ce que tu fais là. Attends un peu. Oh.
ne m'apporte pas ça. Attends un peu. Donc, pour peu que je te demande de l'argent, tu m'as raconté n'importe quoi. Écoute, si tu me donnes pas l'argent, tu me dis que tu me donnes pas l'argent. Parce que moi, je veux pas... Hein? Donc, pour peu que tu me donnes de l'argent, tu me racontes n'importe quoi. C'est ça? Donc, vous, les femmes, quand vous avez une petite situation stable financièrement, là, et parce que tu me donnes un peu d'argent, tu te permets de me parler n'importe comment. Attends, j'espère que tu n'ignores pas que je suis. Hein. J'espère que tu n'ignores pas ce qu'il y a ici dans ma tête. Et tu sais que le boulot, c'est juste une question de temps. Un tout petit peu. J'ai déposé mes dossiers un peu de partout et j'attends qu'on m'appelle. Ce que je te demande, c'est de me respecter. De me respecter. Et tu as le droit et le devoir de me respecter. Et n'oublie pas que d'ici peu, on se marie. Et on va se marier quoi? Monogamie, communauté des biens. Ce qui veut dire quoi? Ce qui t'appartient, m'appartient également. Et ce qui va m'appartenir, t'appartiendra également. Donc, ce que tu as m'appartient. Tu donnes ou tu ne donnes pas. Chérie, je dis juste qu'il faut... Tu donnes ou tu ne donnes pas. Ok, c'est bon. C'est combien là-bas? C'est 50 000. Tu me réduis à quoi? Tu me donnes 50 000 francs? Donc, il n'y a plus de respect. Il me reste donne-moi la jambe. Ajoute, 50 000, c'est quoi? Chérie, je ne peux pas tenir en attendant la fin du mois avec moins de 30 000. Tu vas te battre. Je paye le transport pour aller au travail. Je t'ai dit que j'ai des factures à régler, j'ai des courses à faire. C'est combien? 60 000. Non. Ok. Voilà. Tu vois, c'est... Moi, je comprends pas pourquoi tu me sermonnes. Écoute, quand je vais avoir la jambe, tu seras gâté. Ce n'est pas les choses que... Tu auras tout ce que tu voudras. Ça, c'est quoi? C'est rien. Considère que tu es seulement en train de m'emprunter l'argent et que je vais te le mettre ça après. C'est rien. Quand je vais décrocher mon boulot, la pape, mon premier, ça est d'abord. Je te donne ça. Chérie, je sais, mais je t'en prie, il faut que tu fasses tes économies parce que ça va pas. D'accord. Les économies, oui. Arachide, bien préparé, bien cuit. Arachide, bien préparé, bien cuit. Arachide. C'est ça pour combien? Ok. C'est pour combien que j'ai à goûter? Doucement, hein? Doucement, et tu as pris combien de grains comme ça pour goûter? Mets l'ocre ici dedans. Tu veux vendre ou tu veux pas vendre? Je sais pour combien. Où tu mets? Donne-moi mes arachides. Même l'ocre là, retire dans ta bouche. Donne-moi. Je donne pour combien? C'est comme ça que vous faites ici à Douala? Je dis, hein? Tu veux d'arriver à Douala? C'est Yvi qui m'a fait venir à Douala. Elle ne veut même pas qu'elle vende les arachides. Pourquoi tu es villageoise comme ça? Hey, qui est villageoise? Tu parles de ça à qui? Toujours parce qu'elle va les arracher. Hey, pardon. Mais tu fais ça à qui? À moi? Tu es malade. Tu fais rien. Hey, je vais te donner le coup de poing. Regarde-moi bien. Hey. Un couteau chose comme ça. Regarde. Tu n'as même pas 100 francs pour acheter les arachides. Tu as vu tout ça? Regarde bien. Tu vois ça? C'est une marque. Tu as suivi? Apporte de me dire. Ce sont les choses de la paix. Tu fais ça à qui? Tu fais quelque chose, je veux te... Attends. C'est ma joie.
Amène ma tuer. Il manque même bien le respect pour les arachides, voilà. Hey! Maman, c'est une franconnée pour moi. Oh! Je ne veux même plus partir, je n'arrive pas à marcher avec les chaussures-ci. Tu n'es pas parti comment? J'ai déjà commandé le poulet. Oui, je retiens alors ça. Je porte le tennis. Le tennis avec la robe comment? C'est quel genre de style ça? Regarde tout ce que tu as mis sur moi, ça me dérange. Non, ça ne va pas donner. Allons, tu marches doucement, doucement. C'est ça le secret des talons. Regarde. C'est tout. Est-ce que c'est compliqué? Mets tes pieds droits. 4 jours. Oh, mais c'est une bonne nouvelle, ça. Mmh, 20 millions ou 30 millions, je pense que 30 millions, ça ira. Oui, ça peut aller. Et puis, si ça ne va pas, on peut toujours augmenter encore dans 2 ans. Super, je t'attends de pied ferme. Ciao, ciao, mon vieil ami. Ciao. Cheveux comme pour une femme. C'est peut-être quelqu'un qui est intéressé. Ah ah! La personne qui va faire moi encore, c'est mon mari, c'est le mari. Il veut me faire que je suis ta femme. Mais ça, c'est quel villageois ça, non?
Hey, tu as fait qui villageoise? Moi? Tu penses que je suis ton... Aïe! Ma mère, laisse. Lily? Ouais, s'il te plaît, laisse. Hey, regarde, ne m'appelle plus jamais sur ce genre de business. C'est quoi ça? Tu as toujours demandé les faux dossiers. Tu parles pour qui ici? Qui parle pour qui? C'est qui? Ah, ne dérange pas. La dernière fois. Tu parles pour ça qui? Viens quoi? Qui me connaît même? Je tape les gens comme lui, comme ça, la même feu. J'attends ça sur le plantain, avec le bananier là-bas au village. Il a les amours. Là? Tu veux tout connaître ici? Tu connais ici? C'est bon. Mange, mange. Bois le vin, c'est très bon. Tu veux que. Sangre ma gorge. C'est sucré, c'est bon. C'est bon, Ivy. Hé, pourquoi tu ne mets pas dans le verre? Parce que c'est trop sucré à moi. Ah, ben, tu connais les bonnes places. Bonjour, mon chéri. Wow. Bonjour. Je t'ai fait ton petit déjeuner, installe-toi. Allez, viens là. Wow, tu es magnifique. Voilà que je retrouve ma forme d'antan. C'est vrai, quand je t'ai connu dehors, tu avais tous ces artifices. Mais c'est ton âme que j'ai vue. Là, tu es magnifique. C'est une femme accomplie que je vois là. En fait, mon chéri, j'avais peur, tu vois. J'avais peur que si je ne m'aimais plus, tu iras dehors regarder d'autres filles et je pourrais te perdre. Ne dis plus jamais ça. Hein? Tu es mon centre de gravité. C'est toi que j'ai aimé et c'est toi que j'aimerai toujours. Bien sûr, sans ces artifices. Bon, écoute, tiens, ça, c'est pour toi. Juste pour toi. Tiens. Oui, bien sûr, tu m'as demandé ça, non? Merci, chérie. Le chauffeur viendra te déposer tes cartes de crédit. Ah. Bien sûr, tu m'as demandé ça, non? Allez, viens là. Écoute, j'ai pas le temps de petit déjeuner, mais sinon... je ferai juste ça. Allez. Assieds-toi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais ici chez moi? Attends, mais tu es sérieux avec ta question? C'est une chambre que moi je paye. Hop, hop, hop. Une chambre que tu payais et que tu ne payes plus. Et maintenant que tu ne payes plus, tu n'as plus le droit d'entrer ici. Je pense que le contrat était clair. Je te procure du plaisir et toi tu me donnes de l'argent. Maintenant que ce n'est plus le cas,
le contrat est résilié. Donc, madame, mets-toi dehors. Attends, mais Christian, tu traverses des moments difficiles avec mon mari. Tu peux pas comprendre ça? Pourquoi tu es si ingrat? Ah, elle me parle d'ingratitude. Écoute ma puce. Chaque homme sur cette terre est ingrat. On pense d'abord à soi avant de passer à l'autre. Donc, dehors. Je sais que tu n'es pas sérieux. Madame, tu me connais très bien. Ne fais pas que je m'énerve. Mets-toi dehors. Christian, tu me mets dehors? Dehors! Ça ne finira pas comme ça. Oui, Nadia. Retourne-moi urgemment chez lui. Maintenant. Je t'attends. Christian, tu fais quoi comme ça? Tu oublies nos enfants. Ne t'en fais pas. Ivy est parti nous aider avec son patron urgemment. Elle rentre ce soir. La joie de la reine est là-bas, elle dort. Elle a une tacomateuse. La maison. Tu es sûr qu'elle dort. La maison. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, je t'appelle maintenant Jésus-Christ, afin que tu combattes mes ennemis. Seigneur, tu sais bien que tout ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Cette richesse, c'est toi. Ces biens, c'est toi. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Je n'ai trempé la main nulle part et je ne dois à personne. Alors Seigneur, en ton nom, s'il te plaît, combat mes ennemis. Que celui qui me veut du mal te rencontre sur son chemin. Oh Seigneur, merci parce que tu combats pour moi. Merci parce que tu as gagné. Merci parce que j'ai la victoire dans le combat. Merci parce que tu es souverain. Merci Seigneur. C'est en ton précieux nom que j'ai prié, Jésus-Christ. Amen. Lily, mais tu dors quoi comme ça depuis? Je suis partie le matin, tu dormais. Je reviens, tu dors toujours, c'est quoi? Ouais. Ma, tu... Ah, tu voulais qu'il fasse quoi, ma? Non, mais tu dors trop. Hey! C'est parce qu'elle n'est pas moi mon plateau d'arachide. Si elle avait mon plateau d'arachide, elle serait moi sortie. Ok, c'est bon. Assois-toi un peu, voir. Assois-toi. J'ai vu quelque chose aujourd'hui. Tu as dit que la fille rouge est là, c'était qui? Quelle fille rouge? Celle que nous sommes partis acheter les habits avec elle là. Ma copine. D'accord. Oui, c'est ma meilleure amie. Il y a quoi? Et l'autre était qui? Ton fiancé.
Ton fiancé. Ouais, Lily, mon fiancé, je sais que tu ne l'aimes pas. Il y a eu quoi? Non, je ne l'aime pas, c'est mal. Bon, c'est que je me suis réveillée là, dans ma chambre. Je suis venue ici. Je vois la fille rouge là avec ton fiancé. En train de... J'ai dit, ah, j'ai fui, aller dans la chambre. Ah, ferme ta bouche. Tu dis à ta grande sœur, ferme ta bouche. Depuis hier que tu as blessé, comme si tu as bu ton cerveau, tu dois fermer ta bouche. On t'a dit que ma meilleure amie peut se comporter comme ça. J'ai vu ta rouge avec ton fiancé. Il faut rester tranquille, hein. Donc, ça t'a dit que moi, je peux te tromper. Pardon, couche-toi, tu dors. Tu sais, je peux te tromper. Ce n'est pas tromper, mais tu sais que quand quelqu'un boit, il voit même des choses qu'il ne faut pas. Et comme tu n'aimes déjà pas mon fiancé, ça peut arriver. Donc, ça t'a dit que moi, si là, je n'ai pas les yeux. Pardon. Je ne l'aime pas. Ok, il n'y a pas de problème. Pardon, je suis fatiguée de me raconter les tiens. Ah, c'est toi qui as les copines rouges et les fiancés. C'est toi qui as même forcé que moi, je viens à Douala. Il n'y a pas de problème, laisse-moi. Si j'avais même mes plateaux d'arachide, c'est que je n'ai pas moi vu les choses. En tout cas, demain, il m'avait vendu mes arachides. Je ne peux plus supporter comme ça. Je demande, c'est quoi avec toi? C'est quoi avec moi, comment? Qu'est-ce qu'il y a fait? Il y a encore quoi, comment? Je t'ai déjà dit combien de fois de ne pas voir les archives. Pourquoi? Elle n'a plus vendu les archives, pourquoi? C'est comme si tu as décidé de me couvrir de honte dans ce quartier. Quelle honte? Tu ne vois pas que j'ai déjà changé. Toi-même, regarde la robe que toi tu m'as achetée, que j'ai portée. C'est doucement. Lily, j'ai une bonne situation financière. Tu peux t'asseoir à la maison, ils te donnent 10 000 francs par jour. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin, je ne veux pas moi être une charge pour toi. Je t'ai dit que tu es une charge pour moi. C'est un plaisir pour moi de payer tes factures. Je ne suis pas sûre qu'avec ce plateau, tu peux avoir 2000 francs de bénéfices par jour. Ce n'est pas là un souci. Hier, je suis restée ici là. J'ai vu les choses avec mes yeux. Quand tu es rentrée, je t'ai dit que tu as dit que toi, tu ne me crois pas. Ouais, Lily, c'est parce que parfois, quand quelqu'un boit, il a les hallucinations. Les hallucinations. Oui, laisse que m'avait halluciné mes archives. Je m'avais halluciné mes archives. Ne me dérange plus. Je m'avais comme ça. Ouais, Lily, pardon. Lily, pardon, je reviens. Monsieur, vous allez bien? Je peux vous aider? Monsieur!
assez paresseux. C'est comme ça. Tu m'as vraiment gardé mon goût. Quand j'ai vu les bobolos là au péage de Déa, ça m'a dit que ah, ça c'est le chat de bobolo que ma copine aime. Donc, je suis arrivée, j'ai fait avec du haricot et puis voilà. Merci. Je t'en prie. Bon appétit, chérie. Merci, merci. Dis, tu as remarqué que tu as perdu un côté de boucle? Ah bon? Oui. Ah. J'avais pas remarqué. Et... est-ce que tu étais ici hier pendant que j'étais en mission? Non. Ok. Est-ce que je viens souvent chez toi sans te dire? Oui, c'est vrai. Bon appétit, ma chérie. Merci. Sinon, ça se passe comment avec Christian? N'est-ce pas, tout le monde a tout essayé et vient à marcher avec ma soeur. Donc, tu penses que Christian va rester là à t'attendre? Donc, tu veux me dire que si ta sœur ne se marie pas, toi, tu ne peux pas te marier? Je ne veux même plus la stresser. Tu t'imagines? Elle préfère marcher, vendre des arachides dans la rue. Je ne sais même pas si elle a 2000 francs de bénéfices par jour. Je lui ai proposé qu'elle s'asseye là et je lui donne 10 000 francs par jour, mais elle a refusé. Dis-moi, à ma place, tu vas encore continuer à te casser la tête pour celle-là? Oui, allô? Allô? Oui, je suis Ghislain. Je suis arrivé au pays là, il y a quelques instants, mais je ne parviens pas à joindre M. Kameni. Nous venons d'être informés que M. Kameni est à l'hôpital. Quoi? S'il vous plaît, quand est-ce que ça a eu lieu exactement, s'il vous plaît? Ça fait moins d'une heure qu'on nous a appelés. Aïe. Oui, mais j'espère que c'est rien de bien grave. Honnêtement, nous savons juste qu'il s'est fait tirer dessus et rien de plus. Néanmoins, nous avons envoyé la police là-bas et une évacuation sera faite. Je vous en prie, je vous en prie. Donnez-moi la localisation de l'hôpital, s'il vous plaît. Ouais, je m'y rends immédiatement. D'accord, patron, je vous envoie ça tout de suite. D'accord, merci, j'attends. Allô? Allô? C'est Madame Kameni? Ah oui, c'est moi. Nous avons reçu votre mari, M. Kameni, en soins intensifs. Il s'est fait tirer dessus par des malfrats.
Mais ne vous inquiétez pas, la balle n'est pas entrée dans son corps. Il est juste en état de choc et nous voudrions que vous soyez à ses côtés à son réveil. Ça, c'est pas possible, ça! Merde! Donc, il a fait comment pour s'en sortir? Donc, l'idiot n'est pas mort, l'idiot n'est pas mort, l'idiot n'est pas mort! Merde, 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 merde! Bonsoir, madame. Bonsoir, chef. Je suis l'inspecteur principal Ondoa, mon collègue Bilinga. Vous avez un patient qui a été agressé par balle dans votre centre. Nous voulons avoir beaucoup plus d'informations en ce qui le concerne. Voici la dame qui l'a amenée ici. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je ne parle pas avec la police. Ta fille, ça ne comprend pas que tout. Veuillez nous suivre au commissariat pour faire votre déposition. Je ne parle pas moi avec le tout. Vous allez parler qu'avec Ivy. Madame, c'est qui Ivy? C'est ma petite soeur. Est-ce qu'on peut avoir son numéro? 6. 94. Dépêchez-vous. 22. 44. 70. Oh, qu'est-ce que je raconte même comme ça?
En tout cas, je t'aime. Je t'aime tellement. Je t'aime, mon chéri. J'ai vu. Bonsoir madame, votre mari s'appelle comment? Monsieur Kameni. Ah monsieur Kameni, ne vous inquiétez pas madame, il va très bien. Ma collègue a juste fait un mauvais rapport. La balle n'a pas transpercé, donc il va bien. Il est en salle sous perfusion actuellement. Ah c'est même qu'un chat d'hôpital comme ça. C'est quelle salle? Prenez la première porte à votre droite madame. Attaché là. Hein? Christian, tout ça c'est de ta faute. C'est sérieux. Christian, qu'est-ce que je fais ici? Je t'ai amené pour que tu puisses séduire ma copine. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois où nous sommes? Moi je veux pas mourir. Et je veux pas partir en prison non plus, je suis trop jeune. Allez, ferme ça. Ferme ça. Séduis, séduis une femme. Tout était déjà sur le point de marcher. Il a fallu que son histoire de tradition avait été déposée. Je ne voulais pas tuer ma copine. Je ne voulais pas tuer Ivy. Tout ça, c'est toi. C'est toi, Christian. Moi, je vais quitter d'ici là. Mais est-ce que tu n'étais pas d'accord? Christian, écoute. Est-ce que tu n'étais pas d'accord? Christian, je ne voulais pas tuer. J'étais d'accord pour qu'on escroque. Je ne voulais pas tuer. Nadia, arrête de pleurer. Christian, Nadia, arrête de pleurer. Tu n'es pas un enfant. Christian! Nadia, arrête de pleurer, bordel! Ok, nous sommes dans là. Trouve une solution. Tu marches avec une fille, tu ne connais même pas ses traditions. Je voulais que tu séduises. Tu voulais partir à Dubaï ou bien tu vas partir à Dubaï? Je voulais partir, je ne veux plus partir. Maintenant, je ne veux plus. Bébé. Je ne veux pas te dire ça. Hey, bébé. Mon amour. Je te jure que je vais tout t'expliquer du début jusqu'à la fin. Je ne dois rien expliquer. Ivy, c'est Iqua suivi. C'est Iqua suivi. Je t'ai dit que les fiancés de faire. Tu as dit non, non. Voilà ça maintenant. Laisse tomber. Bébé, rappelle-toi que je t'aime. Rappelle-toi qu'on a se marier d'ici peu. Je ne veux rien expliquer. Bébé, s'il te plaît. Tu connais l'amour que je ressens pour toi, non? Tu sais quelle que vous? Tu es la femme de ma vie. Quelle vie? Écoute, rappelle-toi qu'on a se marier d'ici peu. Hein? Rappelle-toi, c'est pas la blague. Pardonne-moi. Laisse ça. Tu viens, tu l'arrêtes, tu pensais qu'il était pas dans la maison. Je vous ai vu. C'est... Avec cet enregistreur, j'ai assez de preuves pour que vous ayez coupé au moins de 5 ans d'emprisonnement ferme. Vous allez être coupé à nouvelle. C'est quoi avec l'emprisonnement ferme? Tu voulais que je fasse comment? Ouais. Boulet. Ce n'est pas moi, c'est de sa faute. C'était son plan. Non, il va tout te dire. C'est lui, il voulait te tuer. Je voulais pas, je n'étais pas d'accord avec lui. Hé, hey, là, son avis. Si on est au village comme ça, il va faire un matrimoine. Ça connaît ça vient brûler. Ça, ce n'est pas moi, c'est la fille ici, c'est la sorcière ici. Alors, la police va venir ramasser. Ouais, viens avec la police, il m'a même cherché le feu. Mon amour, bébé. Pense à ce que je te faisais au lit. Pense à quand tu criais mon nom. Bébé, rappelle-toi de nos moments forts. Rappelle-toi.
Tu es sexy, tu sais. Tu m'excites. J'espère que tu étais satisfaite. Très, très, très satisfaite. Ah ouais, c'est ça. Tu sais que pour toi, je peux tout faire. Je peux tuer n'importe qui. Je peux même mourir pour toi. Alors, meurs. Espèce d'incapable. Un boulot aussi insignifiant de dépasse. Je ne vais pas subir ton chantage. Chérie, mais où étais-tu passée? Tu sais bien que je ne me sens pas bien. Désolée, mon cœur. J'avais une affaire à régler. Tu sais bien que je suis souffrant. Et je dois user de tous les moyens nécessaires pour savoir pourquoi on m'a tiré dessus et qu'il me veut du mal. Ça va maintenant? Oui, ça va. Merci, ça va aller. Bonsoir, chef. Bonsoir, demoiselle. Je suis venue dénoncer un fait. Lequel? Allez-y parler. Qu'est-ce qu'elle fait ici? N'ayez pas peur. Bonsoir, monsieur Kameni. Bonsoir, Charlotte. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Kameni, je m'en veux de ne pas vous avoir dit la vérité depuis. En fait, c'est votre femme qui avait commandité votre meurtre. Pardon? Monsieur, ce jour-là, elle causait au téléphone avec quelqu'un. Et elle avait donné l'heure exacte à laquelle vous devez sortir. Non. Non, chérie. Et quelque temps après, on a appelé pour dire que... Vous êtes à l'hôpital. Pierre. Et raconte n'importe quoi, cette femme. Un peu de tenue. Vous êtes dans un commissariat. C'est vous. Laisse-la parler. Vas-y, parle, Charlotte. On t'écoute. Madame, c'est vrai. Dis-moi, vous le savez. Je l'avais suivi en pleine conversation au téléphone avec quelqu'un. Non. Non, vraiment. Dis-moi que c'est pas vrai. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Non, 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 non. Chérie, tu as mal. Tu ne peux pas m'avoir fait ça. Comment tu as pu faire ça? Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Est-ce que je ne t'ai pas donné la vie que tu désirais? Qu'est-ce que tu ne m'as pas demandé pour tes parents? J'ai fait. Tu manquais de moi. Chérie, tu ne vas pas la croire. Madame, viens nous suivre. Faites la sortie. Faites la sortie. Oh, arrêtez. Allez. Chérie, non, chérie, non. Non, chérie, non. Mais vieux frère, j'ai la berlue, mon frère. Je suis éberlué. J'arrive au pays à peine, j'essaie de te joindre en vain. Parce que justement, tu es injoignable. Mais j'ai l'idée d'appeler la direction générale. C'est de là qu'on me fait savoir que tu es à l'hôpital. Il m'envoie néanmoins la localisation. Mais j'arrive à l'hôpital, on me fait savoir que tu es au commissariat. Et j'arrive, tu me racontes ce que tu me racontes là? Que c'est ta femme qui est derrière tout ça? Mince. Je n'arrive toujours pas à comprendre, vieux frère. Et tu me dis que la balle t'a juste effleuré. Ouais, vieux frère, tu es un miraculé. Ça relève de la fiction, tout ça. Mon vieil ami. Tout ce que je peux te dire, mon vieil ami Ghislain, c'est que j'ai eu la confirmation que le bon Dieu est vivant. Et c'est lui qui m'a sauvé des griffes de cette diablesse. Je cherchais l'ennemi dehors, pourtant le diable était dans ma maison.
Et ce diable a un nom. C'est ma femme. Ayons toujours confiance en Dieu. Ah ouais. Parce que ce Dieu-là, il existe. Et c'est grâce à lui que je suis en vie. Ah ouais. Ah j'ai ouais. encore la certitude aujourd'hui. Ah ouais. Ah ouais. Bien frère. La foi t'a sauvé. Continue de croire en ton Dieu. Il est merveilleux. J'ai reçu un appel de ce commissariat pour une affaire concernant ma grande sœur. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, chef. Excusez-moi. J'aimerais savoir ce que ma sœur a fait. Je n'ai rien fait. Je t'ai posé une question. Laisse le chef répondre. Et puis, je n'ai rien fait. Cette voix. C'est elle qui vous a sauvé la vie. Sauvé la vie. Ça va, tu peux essayer de copier. C'est vrai que croiser les pieds donne de l'allure à la femme. Mais tu n'es pas obligé de copier tous mes faits et gestes. Et bien, moi, j'ai envie de faire comme toi. Tu vois que quand tu veux, tu apprends vite. Bon, en fait, je voulais te demander pardon. Parce que quand tu m'as dit que tu avais vu ma meilleure amie et mon fiancé s'embrasser, je ne t'ai pas cru. Si ce n'était pas toi... Je serais peut-être morte à l'heure si. Vraiment, tu es ma sœur exceptionnelle. Et puis toi aussi, tu es ma sœur exceptionnelle. Elle t'avait dit que les invités en train de faire. Toi, tu ne m'as pas cru. Heureusement que j'étais dans la maison. Vraiment, tu sais, je les faisais tellement confiance. Donc, je ne pouvais pas imaginer. Je suis sincèrement désolée, excuse-moi. Merci de m'avoir fait venir à toi là. Tu m'as fait venir un peu comme toi, Livie. Ouais, comme ça. Je vais te trouver un boulot de toute façon. Tu ne vas pas rester à la maison, ok? Et je te promets que je ne vais plus jamais te crier dessus. Je te jure. Oui, oui. C'est bien comme tu m'as fait venir à Douala. Mon vieux frère. Kameni de Kameni. Non, je te donne les mains. Tu as marqué le but comme il se devait. Bien sûr. Lorsqu'on joue un match important, c'est de marquer le but, non? Ah oui, tout à fait. Félicitations, mon frère. Merci. Tu sais, ils attendent des jumeaux. Oui, bientôt, ils seront Tani et Mani. Ah ben, là, on tient que deux fois. Oui. Tous les hommages. Merci. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau l'amour. Tu es mon épicentre, chérie. Merci, mon cœur. Toi aussi. Merci. J'adore. Si on m'avait dit un jour que ma sœur vivrait un tel amour... Ah, ça? Bon, vieux frère, j'ai une annonce à faire. Tu sais, on a longuement épilogué sur mon probable retour au pays. Alors... aujourd'hui, j'ai l'honneur de t'informer, d'annoncer que j'ai une raison de m'installer définitivement au pays. Non. Toi, Gisler? Ouais. Et la raison, elle est juste à ma gauche. Tu rigoles? Pas du tout. Tu sais, c'est vrai que nous nous sommes rencontrés tous dans des circonstances assez troubles. J'ai pu t'assurer, mon vieux frère, que lorsque j'ai posé le regard sur elle, tout mon être s'est vu illuminé.
Wow. Et je profite donc de l'occasion que nous serons tous réunis ici pour lui faire ma demande solennelle. Ouais, je pose un genou au sol. Wow. Ton enfant me... le colomate. Evie. Evie accepte. Femme magnifique. Une femme merveilleuse. Dès que j'ai posé mon regard sur toi, j'ai su que c'était toi. La femme que Dieu voulait pour moi. Oh, alors, ma tante chérie, veux-tu devenir ma femme? Je t'en prie, dis-moi. Je t'en prie, dis-moi. Je t'en prie, dis-moi. Bien sûr. Oh, oui. C'est magnifique, ça. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Oh là là. Allez, viens la main pousse. C'est magnifique. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? On trinque à l'amour? Ouais. À l'amour, bien sûr. À l'amour. À l'amour. Tu sais, je t'aime depuis le premier jour que je t'ai vu. Oh, mon Dieu. Que wow. Ces belles paroles me fendent le cœur. Comme c'est beau. Je suis tombé. L'amour. Et dire que j'ai fait venir ma soeur du village pour la vie, pour des raisons vraiment bizarres. Et finalement, c'est grâce à elle que je rencontre l'amour. Alors, on trinque donc à une soeur exceptionnelle. À une soeur exceptionnelle. À une soeur exceptionnelle. Ma soeur exceptionnelle.